Bonjour, aujourd'hui je vous propose de décorer une lettre. Donc c'est une énorme lettre en bois qui fait 40 cm et elle va servir à décorer la porte de chambre. Donc pour le matériel, il vous faudra donc une grande lettre, ensuite des petites lettres de 5 cm, des petites décos en bois, donc là c'est licorne. Il vous faudra aussi un pinceau, de la peinture Easing Nature, donc là vous avez turquoise et bordeaux, et de la peinture Easing Diamond, turquoise et rose pêche. Dans un premier temps, je vais peindre le S avec la peinture déco, donc bordeaux et turquoise. Et ensuite, pendant que le S séchera, je peindrai tous les petits accessoires avec la Easing Diamond, donc turquoise et rose pêche. J'ai préparé mes deux couleurs dans des petits ramequins. Donc je vais mettre un petit peu d'eau avec un vaporisateur. Donc mon dégradé, je vais le commencer par la couleur rouge, bordeaux exactement, donc sur à peu près un tiers de la lettre. Et avec un autre pinceau, je vais appliquer le turquoise sur le haut de la lettre. Donc maintenant, je vais faire le dégradé entre les deux couleurs, entre le turquoise et le bordeaux. Donc pour l'instant, je réapplique un peu de couleur turquoise. Et je vais venir chercher un peu de bordeaux que je mélange avec mon turquoise. Je mets un petit peu d'eau pour mélanger avec le bleu. Et maintenant, je prends le pinceau rouge et c'est dans le rouge que je rajoute un peu de bleu. Donc là, c'est parfait. Je vais venir retravailler un petit peu ici. Voilà, je vais laisser sécher. Alors, je ne souhaitais pas forcément faire un dégradé parfait. Je voulais juste partir du rouge, aller jusqu'au bleu. Et là, du coup, on a un petit mélange de violet. Voilà, c'était pour faire un effet un peu licorne. Alors, pour ajouter un peu de peps à ma lettre, je vais mettre un tout petit peu de paillettes que je vais appliquer avec le doigt. Voilà, j'applique vraiment délicatement. C'est juste pour que ça soit un petit peu scintillant. Alors je peins la licorne avec la peinture Easing Diamond turquoise. Alors ça a bouché un petit peu les trous, donc je vais les déboucher avec une petite pointe. Donc j'enlève les petites parties qui ont été bouchées. J'enlève la peinture paillette. Donc je laisse sécher. Je vais peindre une lettre sur deux
avec Leading Diamond turquoise. Et je peins les autres lettres. Voilà, je laisse sécher. Donc je mets de la colle sur chaque chose, sur chaque élément. Je vais laisser sécher la colle et ensuite je viendrai le fixer avec de la pâte à fixe sur la porte de sa chambre. Voilà, j'espère que ce projet vous aura plu. À très bientôt !